L'Avoncourt, 320 habitants à une trentaine de kilomètres de Vesoul, qui se métamorphose en une fan zone. Une zone totalement sécurisée pour regarder le match. Ça peut paraître surprenant dans un petit village, mais le ministère de l'Intérieur l'avait précisé. Menace terroriste oblige. Alors, en supporter, le préfet de Haute-Saône est venu regarder le match et rappeler les règles de sécurité. Si c'est dehors, il faut que ça soit organisé. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait effectivement un espace clos, il faut qu'on contrôle qui rentre, et d'éviter d'ailleurs une surcapacité dans l'enceinte ou un effet d'attroupement, parce qu'à ce moment-là, on peut créer des conditions de troubles à l'ordre public ou même de conditions d'exposition à des risques. Mais revenons au match. On prend place sur les bancs, les bénévoles s'activent pour préparer et vendre les sandwichs et les boissons. Faut dire que France-Australie est à midi. Alors, juste avant le début, chacun se laisse aller au jeu du pronostic. 2-1 pour la France. 2-0, moi je pense, j'espère. 1-0 pour l'Australie. Oh, moi je dis que ça va être 5-0 pour la France. Moi, 2-1. 5-0. Puis l'entame de match, c'est parti, ça déroule sur le terrain. Les minutes passent, on scrute l'écran, et rien. Puis à la 58e, l'ouverture du score d'Antoine Griezmann. De la joie sur les visages, puis après l'Australie qui égalise, la France qui reprend l'avantage avec un but de Pogba à la 80e. Score final, 2-1 pour la France. Alors qu'est-ce qu'on dit de tout ça? On en a bavé, mais on a gagné et puis c'est déjà l'essentiel, 3 points pour nous. Les Australiens ont bien joué, on mérite presque pas de gagner. Bah, je trouve qu'ils ont bien joué dans la deuxième mi-temps, ils sont un peu réveillés, mais... On peut jouer mieux, quoi. Des conseils avisés des supporters de l'Avoncourt avant le prochain match de l'équipe de France, jeudi prochain, le 21 juin, face au Pérou.